Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard de police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressés, pas oublier abonner avec Bombard Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Bombard Media Now là. Bien, nous va perdre du temps. N'a commencé. Cool, yeah. Enterrement ancien responsable prison Croix-des-Bouquets à Hector Paul Joseph, chanté samedi 20 mars 2021 dans l'église de Dieu, la prophétie dans Cara 2. Une cérémonie qui déroulait en présence de l'état-major institution policière, parmi eux, directeur général AI, police nationale, là, Léon Charles. N'a pas suivre, ils ont compte rendu. Inspecteur divisionnaire Hector Paul Joseph travaille pendant 25 l'année dans l'institution policière. Directeur général à PNH, la Léon Charles promet la police à travail pour mettre en bas corps assassin Hector Paul Joseph à divers autres policiers qui tombaient dernier jour ça yo dans cadre travail. Paul Hector, son ami, était dans marine haïtienne avec elle. Son mec honnête de qu'on travaille avec elle. Son mec qui sortit, même côté avec. En province, il fait effort, il monte un grade. C'est ça me fait tout moi-même en tant que nègre en dehors. Paul, assassiné. Pendant la fête travail. Et Paul, assassiné, peut-être avec complicité pour vos collègues. Lui assassiné pendant la défense poste. Et assassiné. A courir là où il n'est pas trop loin. Même dire, en tant que commandant-chef, n'a retracé, n'a poursuivi pour me pour l'électeur justice, pour me famille justice. L'y assassiné, peut-être par les propres détenus que t'a pas assuré sécurité. Assassin ça yo, intention c'était bandit, mettez bandit dehors au détriment de la vie de nos hommes. Même assassin ça yo, en tant la police là, yo continuez à mettre monde dehors au détriment de la sécurité nationale. On ne peut pas quitter bandit pour un pays à n'avancer dans l'élite contre banditisme là. Parole commandant chef la police là qui dit PNH là pas adopté bon Jean-Mézi pour contrecarrer action bandit yo. M'a profité de l'occasion ça pour me dire tout bandit faut camper. Bail pays en chance. Bail payer une chance pour que les policiers qui veulent travailler, qu'à bail sécurité. Nous sommes capables de courir la rue, faire cortège de motocyclette, continuer, menacer, attaquer, même prison côté de tuer Hector là. Mais la police n'a pas baissé les bras. Même, en tant que fils de paysan, commandant-chef de la police nationale là, monsieur Campé, n'a campé, il m'a forcé de camper. Pour m'aille Mackenzie, justice, pour m'aille Paul Hector, justice, et pour tout pays à cause de la paix et stabilité. Si je ne pas camper, je vais camper. Inspecteur divisionnaire Paul Joseph, fait dans l'année 1963. Li mouri en babal bandi 25 février, nan moment évasion prison Croix-des-Bouquets. Li marié et puis li gen yon seul petite. moun qui identifié tête yo comme membre groupe Fantôme 509 touye ak bal yon policier sur Delma zone Delma 30 lundi 22 mars 2021. Victime là fait partie yon équipe en policier qui t'a fait patrouille dans zone nan nan moment équipe individu sa yo té l'ouvri coup d'arme sous patrouille là. Dans un rapport Fondation J'éclairé FJKL Météo dimanche 21 mars 2021, il fait connaître groupe Fantôme 509 dans la police nationale d'Haïti sorti pour imposer loi dans la région métropolitaine de Croix-des-Bouquets. 17 mars 2021, groupe policier Sayo vandalisé et pillé commissariat police Delma côté yo profité lagué 4 policiers inspection générale police la témété en isolement. Non policiers qui étaient dans isolement yo c'est Beaublanc Baker 26e promotion, Bonfritz Jean Elifet 4e promotion, Joseph Eddie Vance 28e promotion, Axidor David 27e promotion. Même jour ça, sur l'aéroport, groupe policier Fantôme 509 yo mettez dit fait piller Universal Motors à Coto Plaza qui c'est business entrepreneur régional Boulos. Fondation J'éclairé noté participation groupe gang Simon Pelé dans attaque ça qui la cause plusieurs monde mourir. Jeudi 18 mars 2021, groupe Fantôme 509 là était toujours dans la rue avec même pratique yo. Côté yo saisi que les machines citoyens pacifiques capsiquilé dans la rue et puis tiré en pile coup d'armes automatique. Dans prison civile Croix-des-Bouquets yo libéré avec force policier Nozier Laguerre qui était tué un citoyen dans commune Tabac. Fondation J'éclairé FJKL fait remarquer Fantôme 509 posé action qui pas cadré avec la loi. Directeur général OFATMA, Dr Agabus Joseph, qui était gagné à Cli, ambassadeur République Chine, Taïwan, en Haïti, Wen Jiankou, a visité travail construction l'hôpital OFATMA dans Ville-Pot-Paix, week-end passé. Visite sa fête dans l'idée pour évaluer l'état avancement travail, d'après responsable Marc Ediosam pour détail. Même si moment turbulence pays a connaît à mettre reprise retardé travail mais ça pas empêché construction bâtiment flambant neuf l'hôpital au Fatma dans chef-lieu département nord-ouest là franchi diverses étapes. D'après constat DG au Fatma docteur Agabus Joseph qui fait connaître d'ici mois septembre qu'a venir là c'est pour l'inauguration bâtiment qui à 60% fini. Actuellement nous à 60% de chaque travaux à avancer et nous pensons que d'ici septembre, nous avons prêt pour l'inauguration de l'hôpital. Orthopédie, ophtalmologie, urologie, dialyse, néphrologie, c'est quelques parmi l'autre service l'hôpital ça a offert patient à côté 4 services de base. D'après Dr Agabus Joseph. Bon, en plus de 4 services de base qui constituent l'hôpital, et nous parlons de chirurgie, pédiatrie, maternité, médecine interne, nous avons bien l'autre service spécialisé, tant pour orthopédie, tant pour ophtalmologie pour yeux, orthopédie pour le monde qui fracturé, qui traumatisé, nous avons bien urologie, nous avons bien dialyse, nous avons bien néphrologue, et nous avons bien service de réhabilitation, physiothérapie et dans l'hôpital là. Et dans l'imagerie, nous avons bien laboratoire qui est bien équipé, nous avons bien radiographie, nous avons bien endoscopie, nous avons bien scanner. C'est Taïwan qui a financé pour ça pour une valeur $8 millions américains. Après visite ça, ambassadeur République Chine, Richard Wendienko, a témoigné satisfaction pour état avancement pour GA. Bon, heureux et content d'avoir cette opportunité pour visiter la Poids-des-Bouquets pour la première fois et surtout pour visiter le chantier de l'hôpital d'Ofama financé par mon gouvernement avec de Chine Taïwan. Je peux dire que là, après la visite, je trouve la qualité de notre chantier et également la finition, la réalisation, n'est-ce pas, de ce travaux et bien satisfaction. Réalisation gros projet ça dans ville Port-de-Paix rentré dans le cadre promesse campagne président Jovenel Moïse qui voulait soins santé à joindre monde qui pi bayo et qui pi reculer en dedans pays d'après DG Ofatma. Association haïtienne journaliste investigation AHJ organisé week-end passé à un atelier formation pour membres Lio avec membres quelques autres associations journalistes sur habeas corpus. C'est Mme Sabine Boucher qui a animé séance formation ça qui déroulait dans Pétionville. Esaïe Aurelius et Théodore Danius n'ont compte rendu. À travers journée formation ça, responsable association haïtienne journaliste investigation yo entend bay participants yo plus capacité pour remplir mission yo. Yo environ une trentaine de journalistes qui même agi, Sofège et Aged qui participaient dans l'activité ça. Coordonnateur association haïtienne journaliste investigation yo Riben Dumont rappelé des ça fait partie travail association pour continuer à renforcer tête li dans mission pour l'ouvrir population sur un ensemble de dossiers. Il y a des réalités par rapport à ce secteur judiciaire là, il y a un pile de questions qui posées et des questions dans le pays à regarder aussi au niveau des questions de violation des droits humains, des questions état de droit et des réalités d'aujourd'hui au niveau du secteur de la justice là, dans la question liberté droit, liberté fondamentale, liberté pour le monde capable de circuler, liberté que le monde gagne et par rapport à recours à la justice, etc. Donc des constats ça et aussi par rapport Jean journaliste à traiter des questions qui ont rapport à la question de la justice, nous pensons qu'il est nécessaire tant pour comprendre son réalité secteur judiciaire la pas ici, tant en même temps pour journaliste appréhender question judiciaire pour que les capable gain assez bagages d'amener pour que lui fait intervention juste et qui capable permettre les plus bien comprendre mais à part que lui même la plus bien comprendre mais la permettre que en même temps tout les plus bien fort parce que journaliste là lui même les pas comprendre thématique là la diversité pour capable traiter les dans reportage dans autre sujet de documentaire et autres pour capable porter information by auditeurs téléspectateurs et lecteurs liés. Participants yo montré ou satisfait pour initiative ça cap aider ou plus performant dans traiter sujet qui gen rapport ak thème habeas corpus là yo promettent pour appliquer ça yo té apprendre là. Yo formation comme ça mettez nous à jour pour nous capable poser les bonnes questions pour nous capable faire travail d'investigation autour pour nous aider moun yo dans droit yo connaître droit yo et gérer ça tout. Chaque haïtien tout ta doit connaît concept ça tout pour les pieds au mêlé puis au cas connaît qui zèle 4 puis au râler ou même comme journaliste qui a informé moun sous pas information qui sont pral ba moun cap tande ou là qui sont pral ba moun cap garder ou là donc me penser que c'est un réseau que femme me féliciter équipe qui prend l'idée parce que de jour en jour les vient montrer que société a obtenu pile de médias, société a obtenu pile de journalistes particulièrement. Donc, les journalistes pas maîtrisé, que ce soit un concept, ils pas maîtrisé un domaine, et puis ils parlé de lui. Rapidement déjà, ouais, dans qui sa société ça lagué, comme un boglio. Donc, moi-même, pense que d'abord, me féliciter journalistes qui, équipe qui prend l'idée. Deuxièmement, me féliciter l'équipe journaliste qui décide Vinci ta prend formation ça parce que j'en dis là habeas corpus toute la journée n'attendait gros chef met avocat parler de bail ça dans la presse etc. mais jodi à là on monde qui vient dans formation ça ou même de connaître d'abord qui ça mot ça veut dire qui l'air ou qu'a utiliser dans la pratique du métier du droit ou bien dans la pratique de justice boycite. Activité ça rentre dans le cadre d'une série d'organisations à réaliser pour permettre les Vinpidium, les joindre support Agence américaine pour développement international USAID à travers projet JSSP. Lancement officiel en parti politique en Plainspaillot fait vendredi 19 mars 2021 dans la commune Jacmel. Plusieurs cadres et membres parti et puis représentant l'autre parti politique étaient présents dans la cérémonie. Richard Sondjourdan et Maxo Joseph à bon détail. Partisans, sympathisants, délégués et membres coordination sortis du département pays et puis représentant l'autre parti politique étaient présents dans le cadre de lancement officiel. Parti politique plateforme nationale secteur populaire haïtien Plainspaillot week-end passé dans le département sud-est. Bataille pour mettre campé yon l'État responsable. Et puis, qui grand monde, c'est principal engagement dirigeant Plainspaillot prend, selon déclaration président Li, de donner les risons. Parti Plainspaillot, c'est une autre idée. Parti Plainspaillot, c'est une autre vision. Parti Plainspaillot, c'est une autre gens pour nous faire politique dans le pays d'Haïti. pour arriver à combattre toute division, toute inégalité, toute injustice sociale, toute exclusion et pauvreté. Associez-nous dans tout le pays. Parti Plainspaillot pour rassembler dans le carrefour unitaire à changement. Tout haïtien, quelle que soit la tendance politique, quelle que soit la couleur, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le niveau de richesse. Il profite prêcher dialogue comme outil essentiel qui est capable d'aider acteurs politiques à rejoindre une entente pour permettre à Haïti de gagner stabilité. Dieudonné Lérisson, invité coordonnateur communal et départemental Plainspaillot, continue à mobiliser plus de citoyens dans toute section communale pour rejoindre et puis renforcer parti. Pour éviter toute même coordination départementale et coordination communale, tout délégué parti sur tout pays pour mobiliser dans l'idée, pour implanter parti dans la cour, dans la localité, dans l'habitation, accession communale. Parti Plainspaillot, c'est côté ça, c'est dans la zone ça, c'est dans la cour, c'est dans la localité, c'est dans l'habitation, c'est dans la section communale pour le développement pays démarrer. Dirigeant parti Plainspaillot pour lutter sans camper, pour permettre pays d'Haïti râler en souffle et puis joindre et stabilité. Dans un pays délabré, côté toute bagaille c'est priorité. Chef l'État a décidé commencer le travail depuis première année mandat. Grâce à l'acte stratégique avant le changement, qui te permettent dans tête collée avec le ministère concerné, de toucher en pile secteur, tant que agriculture, gestion de l'eau, infrastructure, sécurité, énergie, éducation, environnement, programme social, santé publique et renforcement institutionnel. À côté de tout travail qui est déjà réalisé dans le pays, dans le cadre de mobilisation avant le changement, nous ne pouvons pas oublier tirage, drainage canal, construction route agricole, distribution semences, engrais et matériel agricole, moulin et moissonneuse moderne, bloc production, crédit agricole, construction route dans 10 départements pays, caille PAM cléré, construction caille dans le département Grand'Anse, déploiement corps génie militaire dans zone qui frappée en bas catastrophe et puis dans construction route et spécialement dans nord-est et dans nord-ouest. À travers le ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, l'administration président Jovenel Moïse là installé et puis réparé 35 systèmes pompage solaire dans Gonaïves, 4 dans le département nord-est, 3 systèmes pompage hybride dans le département nord-ouest, et puis 7 dans le département l'ouest, et spécialement dans la Cité Soleil à Poids-des-Bouquets. Toujours dans l'idée pour porter de l'eau sous terre, il y a 590 pompes 3 pouces qui arrivent joindre la population. 497 dans le département centre, 93 dans le département sud, et puis 63 l'autre dans le département nord-est. Barrage Latanouyan, sous Grande-Rivière du Nord, tourné dans l'état pour fonctionner après 39 années depuis le campé. Dans l'idée pour remembrer l'agriculture, sorti 2017 pour arriver décembre 2020, il y a 209 tracteurs agricoles qui arrivent joindre planter. Parmi les matériels, il y a 160 qui distribués dans le cadre de caravane changement entre 2017-2018. Et puis 45 lots distribués dans le mois de juin 2020. Dans la direction départementale agricole nord et nord-est. Dans le mois d'octobre 2020, ODVA recevra 3 tracteurs bois longs, amphibies, pour alquiler drain, désilmé et Salifaudré. Dans le mois de novembre 2020, le ministère de l'Agriculture distribué 20 motoculteurs par bloc production dans la Tibonite. Ne pas oublier gros combat chef l'État a mené pour encourager les planteurs à mettre tête sur ensemble en dans bloc production. Ça cap aider mettez un bout dans mini Fonza pour entrer dans une agriculture à grande échelle qui a rapporté gros l'argent. Parmi notre action qui est posée pour rendre le secteur agricole la ville Pidjam, nous avons cité l'installation Banque Nationale Développement Agricole qui pourrait permettre agriculteurs jeunes l'argent prêté sans y a pas besoin à le prendre pour rien. Mais souci pour porter de l'eau en quantité et en qualité dans le robinet population, l'administration Jovenel Moïse là fait secteur hydrique là tourner en gros pôle priorité. À côté gros travail qu'a réalisé dans ville provinciale, il n'est pas mettre en bout dans un plus gros chantier qu'il a gagné dans la zone métropolitaine. Ça qui parle côté amélioration de façon environ 6 communes de recevoir de l'eau.